Nous allons voir comment créer une affiche avec Canva. Après vous être identifié, vous sélectionnez le type de design que vous voulez, donc nous prendrons poster pour créer une affiche. Dans une nouvelle fenêtre, le fichier s'ouvre. Je peux dès à présent modifier le titre. Et j'ai donc ici mon fichier vierge. Mon affiche vierge. Alors, pour avoir une vue globale, je vais dézoomer et je vais donc pouvoir rechercher les éléments que je veux ajouter à mon affiche. Je vais par exemple rajouter une forme. Je glisse-dépose ma forme. Je peux sélectionner la couleur. Et redimensionner. En cliquant et laissant appuyer, je peux déplacer ma forme et automatiquement des indications, par exemple là l'indication centrée, apparaissent. Si je veux rajouter donc un texte, il y a des textes prédéfinis. Il faut veiller à toujours sélectionner quelque chose qui est gratuit. Je peux modifier la police, la taille, la couleur. Supprimer. Mettre en gras, italique, majuscule, etc., etc. Je peux même donc déplacer vers l'arrière ou vers l'avant. Donc là, si je déplace vers l'arrière, on ne le verra pas, ça passera derrière mon cadre vert. Et je vais donc le centrer. Je peux rajouter d'autres éléments. Ici, j'ai de nombreuses photos gratuites. Des illustrations et je peux faire une recherche. Attention, tous ces contenus sont payants. Lorsque je me déplace vers le bas, d'autres contenus apparaissent et nous verrons que il y a certains contenus gratuits parmi les contenus payants. Voilà par exemple un contenu gratuit. Je peux toujours ajouter des éléments par clic, glisser, déposer et en ajuster également. Parfois la couleur, là ce n'est pas le cas par exemple. Je peux choisir également de mettre en arrière-plan mon affiche et je peux uploader mes propres images en faisant glisser-déposer depuis mon bureau ou depuis n'importe quel dossier. Je n'oublie pas d'enregistrer mon fichier. Enregistrer.
Et je peux ensuite télécharger mon affiche en format, dans l'idéal, PNG pour l'avoir sous forme d'image ou en PDF pour l'avoir sous forme de fichier PDF.